Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Lorsque l'on regarde le rapport sur le bonheur effectué sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire la sphère que vous voyez tourner en arrière-plan, on peut se demander pourquoi une si belle planète que les extraterrestres utilisent comme lieu de villégiature ou qu'ils convoitent, pourquoi les terriens ne sont heureux dans les pays les plus développés qu'à hauteur de 70% et dans les pays qui le sont moins à 10% ou pas du tout. Ceux qui ne sont pas heureux souffrent le martyre sans eau, sans nourriture, sans papier d'identité, un logement précaire lorsqu'ils en ont et les difficultés d'accès aux services de santé et à l'éducation, dans la pauvreté, l'exclusion et les maladies les plus mortelles. Je pense que vous serez d'accord avec moi, cette situation sur Terre ne peut pas et surtout ne doit pas perdurer. Nous devons tous et toutes faire des efforts. J'en appelle donc à tous les starseeds, les émissaires stellaires, les homostellaris comme je les appelle, à nous rejoindre sur Space News et à mettre en place leur mission, aussi minime soit-elle, comme par exemple aider à la diffusion et à la propagation des informations que vous trouvez sur cette chaîne. Ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui provient de plusieurs sources extraterrestres, à l'écrit et en audio depuis 2016. En premier, mon principal contact Zen, ainsi que des contacts directs avec d'autres races, comme les Andromédiens Zenetaï. Avant ces premiers contacts frontaux, je pensais, probablement comme vous, que les extraterrestres étaient plutôt immatériels et qu'aucune maladie ne pouvait les atteindre. Pas une seule minute, je n'avais percuté sur le fait qu'ils auraient pu être physiquement blessés ou tomber malades. Et j'ai réalisé mon erreur lorsque Zen s'est brûlé en manipulant une vis qu'il avait chauffée à blanc pour la débarrasser de la colle qui l'entourait et pour la réutiliser. Le métal était brûlant et lorsqu'il l'a saisi, il s'est brûlé l'index. Les extraterrestres peuvent se blesser lorsqu'ils travaillent ou lors de problèmes techniques dans les vaisseaux spatiaux, comme par exemple lorsque la perte de gravité artificielle interne les envoie flotter dans les airs et qu'ils sont brusquement projetés au plafond. Vous le réaliserez vous-même en m'écoutant partager avec vous ce qui se passe dans les vaisseaux ou ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Ils ont un corps et un mental, ils vivent sur des planètes qui ne leur sont pas toujours favorables. Toutes les planètes ne sont pas comme la Terre, qui est magnifique pour eux aussi. Lorsqu'ils vivent pendant des décennies enfermés dans un vaisseau-mère, sans respirer l'air extérieur, sans avoir les pieds sur une planète et être dans la nature, cela les rend quelquefois malades physiquement, où ils peuvent devenir mélancoliques et déprimés et vouloir rentrer à la maison. Les questions que vous pourriez dès lors vous poser sont « Comment des peuples qui vivent sur d'autres planètes, peuples composés de personnes en chair et en os, comme vous et moi, mais qui vivent en 5D, en 5e densité ou 5e dimension, comme vous dites, comment gèrent-ils leur planète pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, d'exclusion ou de maladie? Comment font-ils pour apporter empathie et soutien à ceux qui souffrent sans discrimination? Comment s'y prennent-ils et quel type de technologie utilisent-ils? Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons aujourd'hui le 4e volet de la série consacrée au bien-être, la santé, la beauté et le bonheur chez les extraterrestres. Cette vidéo est intitulée « Le gigantesque cosmoport de thérapie spatiale » et c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui. Pour vous présenter cette incroyable et magnifique mécanique céleste qui est cachée derrière la Lune, je vais utiliser plusieurs sources d'informations. Les conversations que j'ai eues avec Zen et mes autres contacts extraterrestres, ainsi que des extraits de mon second livre « Artificiel ». Les premières pages du chapitre 1 présentent le pilote du chasseur furtif ZU1, qui n'est autre que Zen. Nous sommes les témoins de son réveil sur le vaisseau mère de sa faction. Il observe le cosmos pendant quelques minutes, et il va ensuite rejoindre son vaisseau individuel qui est garé sur le cosmoport. Pour pouvoir s'y rendre, il prend donc une navette pour le rejoindre. Une fois sur le cosmoport, il va sortir du hangar avec son vaisseau et se diriger vers la Lune qu'il dépasse et décrit. Sur son trajet retour, il passe un temps au-dessus du Pacifique et rejoint le cosmoport. J'ai ajouté de vraies photos qui m'ont été remises directement par mes contacts et que j'ai publiées dans le livre. Cette présentation devrait hautement vous intéresser tous, mais également les groupes d'ufologues qui veulent avoir des preuves matérielles de l'existence de ces vaisseaux et de leurs pilotes. Ils découvriront notamment ce qui se passe lorsque l'on est un extraterrestre stationné dans l'espace derrière la Lune et ce qu'ils voient et ce qu'ils font. Sa dernière mission s'étant achevée la veille, après une courte nuit de profond sommeil, 3 chats lové à ses pieds, le pilote du chasseur d'interception furtif ZU1, le Zouiz, s'était levé tôt. Sa prochaine période de repos ne serait pas avant 56 heures terrestres. Zen bâilla à s'en décrocher la mâchoire en étirant ses 1,98 m de muscles et jeta un coup d'œil somnolent à l'écran en tête du lit. Il n'indiquait aucune urgence. Il chassa doucement les chats vers la porte pneumatique qui s'ouvrit dans un murmure à peine perceptible et ils s'enfuirent par le corridor qui longeait ces quartiers privés. Il prit une douche, se tailla la barbe le plus près possible du visage, puis plaça sa tête sous le séchoir où l'intelligence artificielle déjà programmée le coiffa sans qu'il n'ait à intervenir. Il était de type nordique, à la peau blanche, devenue presque diaphane, après un séjour prolongé dans l'espace. Des cheveux courts, des yeux d'un bleu tropical, et il avait de longs doigts fins destinés aux travaux de précision. Il était ambidextre. Il pouvait se servir indifféremment de la main gauche ou de la main droite, et des deux en même temps. Calme, et d'une très grande patience, il était de ceux qui ont souffert et qui savent rester heureux dans l'instant. Il était aimé, solitaire, différent. Il enfila comme une seconde peau une combinaison de protection de type Spandex Kevlar qu'il appréciait pour sa souplesse et son confort. Ce matériau nanotechnologique intelligent se recompose automatiquement. Il ne se déchire jamais et il peut prendre n'importe quelle forme instantanément. Il est extrêmement résistant à tout type d'impact et il contient des capteurs biométriques et télémétriques qui mesurent les données physiologiques et posent un diagnostic tout en faisant pression sur une blessure en cas d'attaque. Je voulais vous dire en passant qu'en écoutant cet enregistrement, vous devenez les témoins de la vie d'un extraterrestre, ce qu'il fait tous les jours, les petits gestes, la manière dont il évolue tout au long de la journée. Toutes les illustrations et photos que je partage avec vous ont toutes été choisies par Zen pour vous montrer à quoi ressemble son équipement et son vaisseau. Par-dessus la combinaison, il enfila un uniforme noir avec l'insigne du vaisseau mère sur la poitrine et l'emblème de son système solaire sur l'épaule. Il ajouta un ceinturon avec une arme de défense à pulsion électromagnétique et un petit détecteur pour sa géolocalisation en cas d'urgence. Puis il mit des chaussettes épaisses en laissant un peu d'espace en bout d'orteil parce qu'il n'aimait pas le frottement du textile sur sa peau, et une paire de bottes de combat flexibles et solides. Son casque et ses gants étaient déjà dans le cockpit de son propre vaisseau. Il se dirigea vers le centre de commande pour faire le point avec le commandant de bord, puis il consulta le tableau d'affectation des missions. Il devrait accompagner le vaisseau mère dans lequel il était pour une patrouille de reconnaissance en haute orbite terrestre. La destination pouvait s'avérer dangereuse car les deux vaisseaux pourraient être détectés par les télescopes des astronomes et des ufologues, et outre l'effet de surprise à la vue de leurs énormes dimensions, ils pourraient être attaqués par les militaires terrestres. Il arrivait parfois que des pilotes militaires zélés prennent son vaisseau en chasse, et lorsque c'était le cas, ils s'amusaient à les défier et s'engageaient dans une compétition avec eux. Ils les entendaient sur la radio de bord. C'était à celui qui donnerait la vitesse et l'altitude la plus élevée. Poursuivre un ovni à plusieurs, c'était toujours exaltant à raconter aux copains sur les réseaux sociaux, mais les pilotes étaient toujours battus et se dispersaient, excités mais dépités, par la vitesse de l'engin qu'il tentait de dépasser. Puis Zen se cala dans un fauteuil devant une immense baie panoramique qui donnait directement sur l'espace. Elle faisait toute la largeur du vaisseau, de gauche à droite et du sol au plafond. Il pouvait contempler le spectacle magnifique de l'espace. C'était à en couper le souffle. Il se sentait privilégié de pouvoir admirer ce que peu de personnes avaient l'opportunité de voir. Il avait l'impression d'être suspendu dans le vide, sans filin de sécurité. Il se mit à penser aux scientifiques sur Terre qui estiment que 95% de l'univers est constitué de matière noire et qu'elle domine sa structure et son mouvement. Mais la presque totalité de la matière, telle qu'il la voyait, lui, n'est pas visible par les terriens. Ce que les terriens voient ne correspond qu'à un minuscule pourcentage d'un spectre électromagnétique beaucoup plus large. Si les scientifiques avaient pu voir ce qu'ils voyaient en cet instant, ils seraient abasourdis par l'éventail infini des couleurs et par l'essence même du cosmos. Zen regarda vers l'espace. À perte de vue, il vit des milliers de vaisseaux spatiaux extraterrestres qui étaient stationnés à une vingtaine de kilomètres de distance, tout autour d'un gigantesque cosmoport spatial, triangulaire, un genre d'aéroports cosmonautiques ouverts à d'innombrables espèces non terrestres. Il est aussi long que la France, 800 km de long, et il s'étend sur un tiers de sa largeur, 300 km de large, sur 50 km de hauteur. Son nom est Viera d'Andromède. Lorsque Zen arrivait en chasseur à la hauteur de la plateforme médiane d'atterrissage, où se trouvait son hangar de stationnement, il voyait des kilomètres d'étages au-dessus et des kilomètres d'étages en dessous. C'était impressionnant et une merveille de mécanique céleste. Le vaisseau de loin ressemblait à une immense ville flottant dans l'espace avec des fenêtres allumées et des lumières clignotantes. Actif comme un essaim d'abeilles, toutes sortes de vaisseaux étaient en mouvement ou amarrés, allant du léger au massif, aussi variés que les équipages auxquels ils appartiennent. Sphères, triangles, cubes, cylindres, pyramides, diamants, U allongés, candélabres ou artichauts. Il y avait de nombreuses biosphères sphériques gigantesques, des bases militaires, des vaisseaux centres de renseignement, des cuirassés d'attaque, de nombreux chasseurs furtifs d'interception ou d'attaque et des vaisseaux diplomatiques. Tous ces véhicules spatiaux sont desservis par des transports relais identiques à ceux que vous connaissez, de petits UFO ronds à 3 pieds appelés Tic-Tac ou Scout. Et dans ce trafic digne des grands embouteillages urbains terrestres, on voit aussi des cargos de ravitaillement qui arrivent de planètes inconnues pour approvisionner les équipages en marchandises, en gadgets technologiques dernier cri, en pièces détachées, en nourriture, en eau et tout ce qu'il faut pour vivre enfermé dans un vaisseau coupé du reste du monde pendant des années. Ils délivrent aussi de petits véhicules stockés dans leur soute et ils sont quelquefois utilisés par les personnels pour voyager d'un vaisseau vers la planète dont ils arrivent ou inversement pour intégrer un équipage. Vus depuis la Terre, ces vaisseaux énormes qui passent régulièrement du côté visible de la Lune peuvent être captés par les astronomes et les ufologues qui possèdent des télescopes de puissance de grossissement 1000. De nombreux témoins les filment, se demandant ce que sont ces particules qui traversent les cieux à des vitesses inégalées. Prolongeant son observation, il vit un grand objet gris métallique avec des structures sur sa surface, et c'était le côté caché de la Lune, qui était pour lui le côté visible, en métal, et encore plus loin, de l'autre côté, et à bout de bras, se trouvait une belle sphère de la taille d'une orange bleue, la Terre, ici appelée Terra 3. Dans d'autres vaisseaux mères de sa faction, l'immense salle où il se trouvait rassemble les moyens nécessaires à la gestion opérationnelle des différentes missions. Elle est remplie d'ordinateurs, de moniteurs, de consoles et de membres d'équipage affairés devant les écrans, un peu comme le centre de contrôle Lyndon B. Johnson à Houston au Texas lors du lancement d'un vol spatial. Mais sur celui sur lequel il se trouvait, dont la mission est la recherche scientifique, la salle est complètement vide et on n'y voit que cette baie cristalline ininterrompue. Au sol, il y a du parquet avec des tapis rares et à l'arrière, un snack bar et la cantine. Il y a des rangées de canapés confortables pour se reposer après une mission de surveillance ou de sauvetage ou simplement pour le plaisir d'admirer le cosmos. Zen quitta son poste d'observation à contre-cœur et prit une navette pour se rendre sur Viera d'Andromède, depuis le vaisseau mère où il se trouvait, et pour rejoindre son propre vaisseau chasseur, garé à côté de 12 autres dans l'un des hangars. Ces hangars font 2 kilomètres de long sur 1 de large, et il y en a des milliers sur tous les côtés de Viera, et à l'arrière, puisque c'est un cosmoport triangulaire. Pour avoir une notion du nombre et de leur dimension, imaginez des hangars alignés les uns après les autres depuis Biarritz jusque Lille, puis de Lille à Perpignan, et enfin de Perpignan à Biarritz. Ces 3 distances, avec des hangars de 2 km de long les uns après les autres, remplis de vaisseaux individuels de beaucoup de races différentes, ou de capsules holographiques remplies d'Homo Stellaris en stase et en mission sur Terre. Puis Zen partit accompagner l'autre vaisseau mère pour une patrouille, et sur le retour, il s'était amusé à survoler l'océan Pacifique. Il était originaire d'une planète tropicale et il aimait les vagues, l'air marin, le soleil et la chaleur, et à force de vivre dans des vaisseaux spatiaux aussi confortables fussent-ils, la nature sauvage sur sa planète finissait par lui manquer. Il informa de son retour le centre de contrôle du cosmoport et il accéléra en prenant de l'altitude pour traverser une zone de turbulence. Au-dessus de la couverture nuageuse, il vit les derniers reflets orange et rouge du soleil qui se couchait sur l'horizon. Le ciel passa lentement au bleu foncé puis au noir, et les étoiles apparurent. Il quitta l'orbite terrestre et mit le cap vers le cosmoport. En approche finale, le système automatique de reconnaissance, IAE, identification ami ou ennemi, procéda à une vérification automatique. L'immense cosmoport perdut rapidement sa forme triangulaire pour devenir un mur immense avec des kilomètres au-dessus et des kilomètres en dessous de fenêtres allumées, rangées après rangées, de lumière brillant dans toutes les directions comme un gratte-ciel à New York. Et au milieu, un peu comme un rayon dans une bibliothèque, une bande horizontale lumineuse qui s'élargissait tandis qu'il approchait pour devenir ce qu'elle est, l'accès à tous les ponts des hangars. En arrivant à bord, il retraversa le champ électromagnétique qui obture l'ouverture et maintient l'atmosphère à l'intérieur du cosmoport. À l'atterrissage, Zen mit son vaisseau en lévitation à environ 4 mètres au-dessus du sol et descendit verticalement pour se poser sur ses 6 patins. Puis le vaisseau, guidé par son intelligence artificielle, fit un tour à 180 degrés pour faire face à l'entrée du hangar, prêt à reprendre son envol. Dans les hangars, il y a toujours beaucoup de monde. Ce sont les Andromédiens auxquels appartient ce cosmoport, qui accueille tous les pilotes revenant d'un vol terrestre. Ce sont eux les propriétaires de cette merveille spatiale qu'est le cosmoport Viera. Ils sont facilement repérables parmi les personnes présentes. De physiologie humanoïde, ils sont filiformes et très grands, entre 2,40 m et 2,70 m, et ils ont la peau bleue. Elle est bleu foncé quand ils sont jeunes et bleu pâle lorsqu'ils vieillissent. Ils ont une tête ronde, des yeux en amande avec un iris bleu très pâle et une pupille foncée. Leur nez est fin, tout comme leur bouche. Hommes et femmes n'ont aucune pilosité, ni sourcils, ni cils, ni poils, et ils sont tous chauves. On les appelle les Andromédiens. C'est l'une des plus anciennes espèces de ce cadran de la Voie lactée. Il possède 12 biosphères artificielles du type du cosmopore, 3 triangulaires et 9 sphériques. Ils sont organisés en structure sociétale patriarcale et les femmes, malgré leur crâne lisse et chauve, sont excessivement féminines. Ils sont frugivores et portent de longs vêtements, généralement couleur lit de vin, couverts d'ornements en or. Ils marchent lentement comme des moines. Ils expriment l'amour, le respect, la gentillesse et la douceur. Ils n'ont pas le même type d'émotion que les terriens, ni ne les expriment de la même manière. Ils ont un esprit plutôt logique et raisonné. Ils sont motivés par la sagesse et ils sont équitables et justes. Lors des réunions des conseils sur les questions spatiales, ils proposent des analyses rationnelles où prévaut le bon sens. Ils sont hautement spirituels et ils ont apporté la notion de karma en Asie, l'un des fondements principaux de leur croyance. Les générations précédentes étaient combatives, mais ils ont cessé de se battre il y a des millénaires. Ils ne sont pas armés et ne possèdent aucune arme destructrice. Ce sont d'excellents guérisseurs du physique et du mental et des constructeurs de vaisseaux spatiaux remarquables. Leur société holographique dirigée par des sages en conseil de niveau, c'est-à-dire du conseil familial au conseil planétaire, est devenu au fil des siècles un modèle incontournable pour de nombreuses espèces plus jeunes. Les Andromédiens sont des médecins, des guérisseurs et des thérapeutes d'excellence. Ils utilisent bien sûr des lits médicaux et ce sont eux qui prennent en charge en premier les malades qui sont amenés par les autres races dans les hangars de ce cosmopore. Ils utilisent les lits médicaux dans de multiples contextes. Premièrement, lors du sauvetage de leurs propres membres d'équipage qui auraient pu avoir un accident. Deuxièmement, pour sauver des terriens qui se sont retrouvés dans des accidents ou des situations difficiles, c'est à eux que les autres lignées extraterrestres les amènent pour les soigner. Troisièmement, ils soignent également des adultes, hommes et femmes ou des enfants, qui ont été extraits de bases souterraines terrestres où ils étaient faits prisonniers. Quatrièmement, ou bien encore pour permettre à des stellaires extraterrestres de quitter leur corps en 5D pour accomplir une mission en 3D sur Terre grâce à des programmes d'immersion. Zen retira son casque et ses gants qu'il laissa dans son vaisseau, puis descendit par la passerelle avant et se rendit à l'arrière du hangar. Il s'y trouvait une porte qui conduisait à l'intérieur du cosmopore. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous ai présenté le cosmopore de l'extérieur et la manière dont on y accède, c'est-à-dire par vaisseau spatial de petite taille. Enfin, le vaisseau de Zen fait quand même 100 mètres de long sur 30 mètres de large, c'est quand même assez grand pour des terriens. Zen est revenu de sa mission, il a atterri à l'intérieur du cosmopore, dans son hangar, et il se dirige maintenant vers la porte qui se trouve à l'arrière du hangar et qui donne accès à l'intérieur de Viera. Je reprendrai la suite dans le dernier épisode de cette série, lorsque je reparlerai de nouveau de Zen, et nous reprendrons exactement au moment où il est devant la porte et s'apprête à entrer dans le cosmopore. Je vous expliquerai alors ce qu'il voit et ce qu'il fait. Je vous retrouve très bientôt pour le volet 5 de cette série consacrée au bien-être, à la santé, à la beauté et au bonheur chez les extraterrestres, et en particulier la présentation d'un jeune humide de 18 ans qui a échappé à un système de mort programmé et comment et pourquoi mon aide a été requise pour l'aider. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.